Tiens, ben voilà. Salam alaikum. Ça va, Yannick? Comment ça va? Ma Toled. Alhamdulillah. Et je te présente un ami de France qui est Michel. Oui, Michel. Et tu vas voir, il dessine très très bien. Et en plus, il sait faire les. Tu sais, tailler les cailloux, les pointes de flèche, comme les anciens. Et Michel, je te présente Mohamed, qui est un grand spécialiste de la cacousse. Il connaît comme sa poche, il connaît tous les beaux endroits, il connaît tous les sites à peinture, et c'est lui qui va nous emmener. J'ai beaucoup de chance d'être avec un spécialiste guide et un spécialiste préhistorien. On va enfin visiter le désert du sud libyen. Oui, en plus on va avoir deux déserts différents, on va avoir le Messac et la cacousse. Qu'est-ce que vous avez comme idée des circuits? Est-ce qu'on va les visiter comme d'endroits, sites intéressants, qui vous intéressent? En fait, on voudrait repartir sur les traces d'un voyageur qui s'appelle Barthes. Barthes. Heinrich Barthes, c'est un Allemand, qui allait à Tombouctou, et puis il est passé ici en 1850. Il est d'abord passé dans le Messac, il a traversé, il est passé dans la cacousse. Ouais. C'est lui qui a découvert les premières gravures rupestres. Ouais. On a amené son livre là, donc on va regarder dans le livre parce qu'il explique par où il est passé, les Geltas, les Wadis, et on va essayer de suivre les traces de Barthes. Nous effectuâmes notre départ solennel dans l'après-midi du 24 mars pour aller dans des contrées lointaines encore inexplorées. Nous plonger dans les ténèbres mystérieuses de l'avenir. Je m'étais fait un principe de ne jamais commencer un long voyage sans me préparer graduellement à ses épreuves et à l'influence ardente des rayons du soleil, et d'éviter le brusque passage de la paisible vie des cités à l'existence agitée du voyageur. Fut attiré par quelques sculptures remarquables, enterrées dans les rochers de grès lisse et escarpé. Ces sculptures, quoique n'étant pas précisément des œuvres d'art d'une exécution parfaite, n'étaient pas non plus de simples ébauches d'un trait bien accentué. Elles portaient le cachet d'une main ferme et reposée, bien exercée à ce genre de travaux. Il y a une super gravure là, qui est sans doute la plus célèbre de tout le Messac maintenant. Elle était publiée par Barthes dans son bouquin. Ah, superbe. Donc Barthes, quand il a vu cette scène, il a tout de suite pensé que c'était une scène mythologique. Il le dit. Et comme il était pétri de culture grecque, il avait lu Aristote, Hérodote, tout ça, il a pensé à un mythe qui raconte que l'ancêtre des Garamantes, c'était Apollon. Et il a surnommé cette gravure l'Apollon Garamante. Donc on a deux personnages encadrant un bovin. Alors le personnage de droite, là, il est un peu curieux parce qu'on a sa tête à lui, et au-dessus il y a une tête d'antilope. Avec, on voit bien la séparation. En fait, il porte un masque cimier, un masque d'antilope mais posé sur sa propre tête. Celui de gauche a également une tête délimitée avec un trait de séparation au-dessus duquel on voit également un masque cimier volumineux qui est probablement un masque de grande antilope ou de bovin avec les grandes cornes, l'oreille, l'œil, le mufle bien dessiné. Et voilà. Entre les deux, il y a un bovin qui a été dessiné par la suite, qui s'est rajouté, qui a effacé l'arc ici. Donc là, on a un très grand monument circulaire qui avait été vu par Barthes. Hein. D'accord. Il a vu ça, oui. Avec des belles dalles
redressés, hein, qui font plus d'un mètre de haut, du coup. Ah ouais, c'est des beaux morceaux, déjà. Hein. Ouais. Donc, quand Barthes a vu ce grand monument circulaire, il a pensé que c'était... Il appelait ça un cercle de sacrifice. Il n'a pas vraiment vu que c'était une tombe. Et en fait, c'était pas du tout idiot, parce qu'il y a des stèles ornées dans ce monument. Et puis, depuis qu'on a fait un peu de fouilles de monuments dans le Messac, on sait que les plus anciens, qui ont à peu près 6000 ans, n'ont pas servi pour inhumer des personnes, mais pour inhumer des animaux, et notamment des bovins. Et donc, l'idée de Barthes de cercle de sacrifice, en fait, n'était pas du tout fausse. Il y a plusieurs des stèles du monument qui sont gravées. Voilà, bon, celle-là, il y a un personnage en train de lever un bras, là, l'autre bras à la ceinture. Il tient sans doute quelque chose, là. Il a sa ceinture. Et surtout, il a un masque de rhinocéros avec la grande corne, la petite corne, et les deux oreilles ici. Et c'est un masque cimier, c'est-à-dire posé sur la tête, et avec la grande corne tournée vers l'arrière. D'accord. On en a plusieurs, hein, dans le Messac, des comme ça. Et c'est pas inintéressant de voir que les deux seules gravures de ce monument sont d'une part un personnage qui porte un masque de rhinocéros, et d'autre part un rhinocéros. Donc il y a évidemment un rapport entre les deux qui est de l'ordre du symbolique. Bien sûr. C'est le mouton qu'avait repéré Barthes, ça. D'accord. Qu'il a publié dans son bouquin. C'est une des premières gravures qu'il a vues, ça, en arrivant. C'est une des premières gravures connues dans tout le Sahara. Donc on a un mouton, là, qui est en train de... qui a l'air de rentrer dans un ovale, bon, un peu énigmatique. Et Barthes, quand il a vu ça, évidemment, il a été intrigué. Et il a fait le rapprochement avec le monument qu'on vient de voir. Ah oui, le monument circulaire. C'est ça, le grand monument, là. Et il a pensé que c'était un mouton en train d'entrer dans le cercle du sacrifice. Ça, c'est le grand buffle antique. Ouais. Bah, les cornes de face, c'est la tête de profil. Donc j'essaie de le visualiser un petit peu dans sa position frontale. Ça, c'est une bête qui a disparu il y a environ 5000 ans. Oui, d'accord. C'est une bête qui n'existe plus, hein, qui a complètement disparu. On a trouvé des crânes, et d'une pointe de corne à l'autre, on a un crâne qui fait 3,27 m. Donc c'est une bête gigantesque. Non, c'est vraiment un monstre. C'est... Déjà, les buffles africains actuels sont des animaux assez terribles. Mmh. Mais là, ça devait être un animal particulièrement redoutable. La présence d'un édifice semblable démontre suffisamment que cette contrée ne peut avoir été aussi déserte dans les temps reculés qu'elle ne l'est de nos jours. Bien plus, il est évident qu'il doit avoir vécu là un peuple capable d'aimer l'art et de l'apprécier. Les enlèvements, là, c'est très net. Hein. Celui-ci aussi, puis là aussi, tu vois. Ce genre de traces qui restent sur les blocs, ouais, c'est uniquement dû à l'activité humaine. Rien dans la nature peut enlever de telles et créer de telles traces sur la pierre. En gros, ça pourrait se représenter comme ça.
Tu vois, à l'aide d'un percuteur, je pourrais frapper comme ça. Ouais. Je vais détacher un éclat et automatiquement, je vais avoir cet aspect. Donc le positif et le négatif. Ouais. Les éclats qui ont été produits peuvent être retouchés, c'est-à-dire qu'on va, on va les frapper sur le bord, on va les mettre en forme, ouais. les façonner, ouais. et on pourra obtenir des outils qui vont servir à différentes activités. Ouais. Maintenant, dire de quand ça date, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faudrait une étude très très fine de l'atelier ouais. pour donner une tendance ou un style à l'ensemble. Ouais. Ouais. Mais il y a quelques indices. Par exemple, si on regarde à nouveau cet éclat, on voit qu'il est resté d'une certaine fraîcheur. Hein. On voit que les arêtes sont encore assez vives, ouais. et donc peu émoussées. Par le temps, par le vent du désert et par le sable. Donc on pourrait, avec toute la prudence de mise, penser que ces pièces-là sont récentes et peut-être néolithiques. On est ici dans un endroit où on est sûr qu'il y a eu du néolithique. Vraiment, dans tout le Wadi, les gravures rupestres témoignent du néolithique. Et pardon, j'ai entendu cette phrase, mais que je ne comprends pas très bien. C'est ce qui c'est, une néolithique, ça explique quoi, parce que je ne connais pas cette phrase. Néolithique, c'est une période. Ah, oui. C'est le moment où les gens commencent à changer de manière de vivre. Ah. Ils arrêtent uniquement de chasser et de cueillir des végétaux, chasser les animaux qu'on a vus sur les images, ah. et ils commencent à élever par exemple les bœufs. Ah. Et donc ça, et puis les moutons aussi un petit peu après. Et ça, c'est à peu près il y a 6000 ans ici, en tout cas pour cette région ici. Là, c'est différent comme paysage parce que vraiment on a des falaises. Ouais. C'est vraiment du torrent. Il faut grimper un peu. Alors là, une gravure qui représente tout un campement avec des bovins, des personnages qui s'activent, une scène de campement ordinaire. Hein. Une scène là où on voit un personnage en train de traire une vache. Et puis ici, un autre personnage qui est en train d'accrocher un récipient sur ces espèces de piquets fourchus hein, qui servent à accrocher visiblement les récipients dans lesquels on a mis le lait. Et donc vraiment le type de scène tranquille dans un camp, comme ceux qu'on peut voir encore maintenant au sud du Sahara, hein, les Peuls par exemple. Ouais. Ouais. Fatigue de notre marche était aggravée par l'épouvantable chaleur qu'il faisait. Le sable était si brûlant qu'il nous était presque impossible de le fouler. Nous le sentions nous dévorer la plante des pieds, malgré nos chaussures. Un thermomètre, plongé pendant un instant dans le sable, se leva à 45 degrés centigrades. Ils ont utilisé le poli interne, qui est un super poli, hein, magnifique, pour refaire une autre petite image très très fine à l'intérieur. Et on voit bien la tête ici, le nez, l'œil, les cheveux qui pendent, le menton, là, le bras, l'épaule. C'est sans doute une femme parce qu'il y a un sein ici. Ouais. Voilà, le ventre. Vraiment épaté par le graphisme,
la précision, la décision du trait. Oui. Voilà. Et c'est, en plus, c'est une gravure qui domine toute la vallée. Vraiment, c'est celle qui est la plus en hauteur. On a une scène assez étonnante là, avec un rhinocéros qui est sur le dos. Donc, il a la tête ici, l'œil, le mufle, la grande corne. Il doit y avoir la petite corne, les oreilles qui sont ici, et son corps derrière avec les pattes là. Voilà une patte, le ventre, l'autre patte, une autre patte ici, l'autre patte de derrière. Et alors devant lui là, il y a un très grand personnage qui tient un poignard ici, et de l'autre main, sa tête est là. Et de l'autre main, dont les doigts sont là, il agrippe la patte du rhinocéros et il le tire derrière lui en marchant à grande enjambée. C'est pas un être humain normal, c'est une divinité, c'est un héros, c'est un être fantastique, mythologique. Là, tu vois, dans cette, on vient de sortir de cette vallée très encaissée. Ouais. Et en fait, ce qu'on vise, c'est le point par là, un point par ici. Si c'est à ce moment-là, il vaut mieux qu'on continue par là. Ça serait mieux de passer par là. Oui, passer par là, parce qu'il ne faut pas qu'on descende de Blatt. Direction de Wattelenzur. Notre troupe se composait de 62 chameaux. Il y a quelque chose de réellement beau dans toute une rangée de ces animaux attachés à la file en marchant, conduits par un seul homme, d'un pas égal et ininterrompu. Cette coutume des peuples de l'intérieur est empreinte d'une profonde gravité que partage l'âme du voyageur. Voilà.
C'est pas loin d'ici, c'est après le dîner, à une petite distance. On arrête là. D'accord. Voilà. Je lui dis merci pour. Je crois. T'as le numéro. Merci. J'essaie de coller au plus près par rapport à l'image qu'on nous propose là-bas. Hein. Donc, ça, c'est... Donc effectivement, c'était tellement précis qu'on fait envie. Ah ouais, vraiment. Et juste peut-être un petit truc, c'est que le personnage du centre, moi je suis pas sûr qu'il soit féminin. Tu vois. En fait, sur la gravure originale, il nous manque ça. Oui, c'est ça. On a juste la partie basse. Et donc toi, tu l'as fait plutôt féminin. C'est un choix d'interprétation. De toute façon, c'est une interprétation. Donc on fait un choix pour avoir quelque chose d'assez réaliste. Hein. Oui. Mais moi, ça me plaît. Hein. Bon, bah, écoute. On voit vraiment bien la vie, la cérémonie d'initiation, probablement, quoi, hein, avec les animaux ornés, tout ça. C'est vraiment très beau. Si je vois bien, on a le profil de ce personnage qui est conservé avec son œil et puis ses petites mèches, peut-être. Ou alors, il a un masque animal. Là, tourner en arrière, c'est pas évident. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, il reste un bout. On a une petite pendeloque ici, qui est attachée à la ceinture du personnage. L'autre ceinture, elle est peut-être tressée. Les mains des personnages sont reliées, là, il y a un trait, et c'est une corde qui part comme ça, de la main du personnage, qui fait tour du rocher, et qui arrive au museau des bœufs. Et en fait, c'est sans doute une des plus anciennes figurations de celles connues, voire même la plus ancienne du monde. Et c'était ça il y a environ 6000 ans. C'est vraiment exceptionnel là, ce qu'on vient de voir. Ah oui, mais vraiment, je suis totalement épaté. Hein. Au point de vue artistique, une grande qualité artistique. Et puis toutes les informations qu'il y a là-dedans sur les gens qui vivaient là, quoi. C'est vraiment étonnant. C'est une mine de renseignements. Hein. On les imagine venir avec leurs bœufs, descendre en face, faire boire les bêtes à la rivière. Et puis cette cérémonie là qui est très vivante, avec tous les détails. Détails vestimentaires, détails de parure, détails de harnachement, quelque chose de vraiment extrêmement vivant. Et... On a des tas de choses en fait qu'un archéologue ne pourra jamais retrouver. Oui. Si ces gens n'avaient pas eu l'idée de faire ces dessins, ces gravures, on n'aura jamais ça. Bien sûr. C'est vraiment quelque chose d'être.
Nous nous approchions peu à peu de la chaîne de l'Akakus et nous en aperçûmes bientôt la crête singulièrement découpée qui s'étend très loin du nord au midi, précédée de plusieurs monticules de sable. C'est vrai qu'on imagine aussi bien les gens qui étaient là, qui faisaient les peintures dans les abris, ouais. Les bœufs qui passaient, qui allaient au pâturage, qu'on conduisait à l'abreuvoir, les moutons, tout ça. Ouais. Parfois un éléphant, une girafe. Ouais. Ça a bien changé. Oui, c'est vrai, c'est changé. Ouais. C'est drôle, hein, en fait, parce que Barthes, ouais. Il a bien trouvé les premières gravures connues du Sahara. Il a trouvé ça dans le Messac. Ouais. Il est bien passé dans la Kakous. Ouais. Il pensait trouver d'autres images dans la Kakous, ouais. Et malheureusement, il est passé au mauvais endroit. Ça, c'est l'abri de Wanamil. Wanamil. C'est une scène où tu vois des personnages en train de préparer le chignon qu'ils portent tous sur la tête et qui est vraiment caractéristique de ces gens qui vivaient, ceux-là, vers 4000 avant nos jours, hein, qui étaient des pasteurs, qui avaient beaucoup de moutons. Hein. Bien interpréter la scène de coiffure, comme on a en Afrique maintenant, dans certains endroits, des gens qui mettent de l'argile sur leurs cheveux pour les faire tenir avec des formes de chignon comme ça, on a ça. Hein.
Alors, c'est une finesse, le travail, c'est absolument sidérant. Il est très extrêmement fin, comme ça. Tous ces personnages sont faits au trait rouge, extrêmement fin. Et c'est une caractéristique du style qu'on appelle maintenant style de Wenamil, qui apparaissent au moment où le Sahara s'assèche encore plus, où les gens abandonnent progressivement l'élevage des bovins et se mettent à élever les chèvres et les moutons qu'on voit apparaître de plus en plus nombreux sur les images. Techniquement, ça pose quand même beaucoup d'interrogations, notamment sur la réalisation du trait qui est extrêmement fin, puisqu'on est nettement inférieur au millimètre. On a des choses qui sont probablement autour du quart de millimètre d'épaisseur, et sans repentir, avec une délinéation parfaite. Ça laisse penser à différentes techniques, ou un pinceau très fin, ou un végétal, une fibre végétale, ou une plume d'oiseau affûtée extrêmement finement, mais en tout cas avec une virtuosité peu commune. Contournant le versant du groupe de montagnes, nous arrivâmes dans la vaste vallée Tanesov, où nous eûmes un point de vue aussi grandiose que merveilleux. Devant nous s'étendait la cime fantastique du mystérieux mont Idinen, que les indigènes nomment habituellement Ksar Tienun. Les Touaregs croient en effet que la montagne est habitée par des esprits, et on regarde l'ascension comme une profanation. Quand Barthes, il est arrivé ici le 15 juillet 1850, il a vu le mont Idinen en face. Ouais. Et il a voulu monter parce qu'il pensait qu'il y avait d'autres gravures comme celles qu'il avait déjà vues.
Et son guide, qui s'appelait Hatita, qui était un guide touareg de Rat, a refusé en disant non, moi je monte pas, il y a des génies, c'est très dangereux, on risque de mourir, je veux pas y aller. Ouais. Bart a insisté et finalement il est parti tout seul. Ouais. Il est monté, il a rien trouvé en fait. Il est redescendu et exténué, et il s'est allongé et on l'a retrouvé vraiment par hasard. Il était en train de mourir. Hatita, il n'a pas voulu aller dans ces montagnes parce que chez nous, il existe des histoires qu'il dit c'est à des génies. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui racontent des choses sur cette montagne. Mm-hmm. Ça, je pense à quoi c'est triste. Encore maintenant, personne ne va sur la montagne. Presque. C'est un bel endroit. Ouais. Très joli. Quelle image de la vie de ces contrées que ce plateau pierreux, embrasé, privé d'eau et presque sans végétation, qu'il faut parcourir en 6 jours de marche sans repos et au risque de mourir de soif. Puis cette source toujours féconde où l'on arrive enfin. Ces deux éléments de contraste renferment tout un monde de la vie nomade d'Afrique. Le puits donne de l'eau en abondance. Et cependant, tout ce qui l'entoure n'est qu'un désert de sable, si désolé qu'il n'en existe pas de pareil sur le globe. Ouais, après, là, il y a une gueule. C'est pas mal d'eau, hein. Est-ce que c'est une guelta? Le guelta, c'est une réserve d'eau naturelle qui garde l'eau après la pluie durant quelques temps. Ça dépend des grandes, les tailles des guelta. D'accord. Ici, ça va dire un mois et demi, quelque chose comme ça. Ça, c'est là où il y a les nomades qui viennent chercher de l'eau. Mm-hmm. Après, parce qu'il y a des guelta partout dans la Kakous. Ouais. Et s'il reste encore de l'eau, alors qu'ici, maintenant, au Sahara, il fait très sec. Autrefois, il y a dû y avoir beaucoup plus d'eau. Ouais. Mais de toute façon, c'est des points d'eau qui ont toujours été importants, toujours connus des pasteurs, des nomades depuis la préhistoire. Ouais. Et s'il y a de l'eau maintenant, sans doute qu'autour, avec un peu de chance, et les activités humaines. On peut trouver des peintures. Des traces, ou des... C'est parce qu'il y a des petits abris tout le tour. Ouais. C'est une tombe, c'est sûr que c'est une tombe. Hein. Et quelques-unes, elles peuvent être très anciennes ces tombes-là. 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans même. Hein. Ouais. Et certaines ont été fouillées. Ouais. On a trouvé les squelettes des gens. Ouais. Et ça nous a permis de voir que ces gens-là avaient une vie très difficile. Parce que ça laisse des marques sur les os des squelettes. Ouais. Et en particulier, ils marchaient énormément. Ils faisaient des marches exténuantes. Et quand on pense qu'ils avaient des bœufs, que la sécheresse commençait, en fait, ils cherchaient les points d'eau, ils longeaient les pâturages, et ils marchaient tout le temps pour chercher l'eau, en fait. Ouais, ça se voit sur les squelettes. T'as remarqué, autant on a vu de gravures dans le Messac, autant dans la Kakous, on a vu surtout des peintures. Hein. Oui, bien sûr. Mais en fait, il y a quelques endroits au Sahara qui sont très très rares, où on a à la fois des gravures et des peintures. Et ici, donc dans la Kakous, on est dans un des très rares endroits où il y a des gravures peintes. D'accord. Et si on les observe de près, on s'aperçoit très bien que c'est les graveurs qui les ont peintes. Ce qui est très intéressant pour les histoires de relations entre toute la région du Messac, la région de la Kakous, et ça laisse supposer que pour une bonne part, c'était les mêmes personnes. Tiens, tu vois cette vache-là, par exemple, on voit bien qu'elle est peinte avec différents tons de blanc, crème, et même un petit peu de rouge là, et le contour a été gravé avant la peinture, on le voit bien sur la pâte, par exemple. Exact, puisque la peinture rentre dans les contours.
Là, tu as une autre vache qui était très belle, malheureusement. Quelqu'un a fait une grosse tache blanche sur la tête, on ne la voit presque plus, mais tout l'arrière est bien visible, le ventre, le corps, les pattes, etc. Oui. Elle aussi, elle a été gravée. Oui. Il y a eu un contour blanc qui a été rajouté dans le trait gravé, puis ensuite, ça a été peint. Madame. Voilà, ça, c'est le lieu, il s'appelle Tinan Niwen. C'est le lieu où ils se rencontrent, les bergers. Là, ils se rencontrent. Le lieu où les bergers se rencontrent. Ils se rencontrent, d'accord. Ils ont les messages, des choses comme ça, un tifinard. Si, voir quelqu'un, voir l'autre, un autre berger ou quelqu'un d'autre qui passe. Tu vois, quelqu'un qui laisse un message, un tifinard, qui dit, « Oui, un nec, Bella, c'est une dame. Oui, un nec, c'est moi, Bella, t'es note, qui dit, je vais vous voir, un tifinard. » Ah. Oui. Donc, moi, Bella. Oui, qu'ils disent. Je dis, je vais vous voir. Je vais vous voir. C'est comme un message qu'ils laissent pour le suivant. Les amis, le suivant, c'est quelqu'un qui passe ici. Un journal. Un journal. On voit aussi les différentes choses en bas, les animaux et les autres personnes qui sont laissées d'autres beaucoup choses. Beaucoup de chameaux, hein. Beaucoup de chameaux. Oui. De nous, je pense que les pigments doivent être très abondants dans les proches alentours. Ce serait peut-être bien qu'on en collecte quelques-uns ou qu'on fasse un petit ramassage pour expérimentation. Oui. Hein, le lieu me semble propice. Tu vois ça, Michel ? Qu'est-ce que ça donne ? Oui, ça a l'air bien, ça. Hein ? Ouais. Ah oui, il est pas mal, ce rouge, là. Tu vois ? Il va bien, hein. Regarde, ça, c'est un bon hématite. Ouais. L'hématite, c'est des pigments rouges naturels qui sont liés à l'oxydation du fer dans la nature. Donc, ça se concentre et puis on a ce qu'on appelle l'hématite. C'est une ocre en fait. Hein. Le blanc, on va essayer celui-là. On a l'air un petit peu sableux, donc peut-être qu'il faudra prendre quelque chose de moins chargé en sable, mais on va trouver. Ça ressemble à ça, c'est pas mal. C'est très blanc quand même. Hein. Je pense qu'après, on a au moins les deux pigments de base, donc le rouge et le blanc, qui semblent être les peintures principales. Hein. Ah, c'est excellent, ça, tu vois, parce qu'on a une pierre qui a une masse qui est quand même assez importante, et on va pouvoir assez vite, simplement avec le poids de la pierre et avec assez peu d'effort, faire une petite coupe, une cupule dans le grès, et là-dedans, on va broyer notre pigment. Je vais essayer de faire une gravure là. Ah oui. Mais avant, je fais un petit dessin préliminaire pour pas partir au hasard. Hein. Et alors, ce tracé, tu vas le reprendre avec un instrument pour le déterminer le contour. Oui, je vais entièrement le piqueter. Ah oui. Tout le tour, hein, avec je sais pas, avec une pierre pointue, un pic, quelque chose quoi. Tu vois, ce bloc de matière première, là, c'est analogue à ce qu'on a trouvé dans le Messac. Voilà, dans le Messac. Oui. Et on va donc faire des éclats dessus pour fabriquer ce fameux burin, ces fameux burins dont il a besoin pour la gravure. Voilà. Donc, tu vois, on retrouve ce qu'on a vu là-bas. Hein. Voilà. Tu vois la pierre éclatée avec l'éclat. La retouche, c'est très simple, hein. Il s'agit d'enlever quelques petits éclats sur le bord de l'objet. Et voilà, celui-ci, là, il est prêt. Là, tu peux lui porter, je pense que ça va très bien marcher.
si on n'emploie que de l'eau, c'est tout à fait lessivable et ça n'a aucune tenue dans le temps. Donc très probablement, les peintures qui sont autour de nous ont été faites avec des liants et des recettes particulières. Le lait, puisqu'on en a retrouvé des traces via la caséine, probablement utilisé. Quoi. Ce qui n'est pas étonnant de la part de gens qui élèvent des troupeaux. Pas mal. Hein. Quel boulot, hein. Combien de temps tu as passé déjà? Bon, 2 heures. T'imagines un peu pour les grandes gravures? Oui. Il y a un tracé qui est très très fin, hein. Oui. La queue, hein. Ah oui, ce qui montre bien l'utilisation d'un pinceau très fin, mais surtout une certaine fluidité de la peinture. Il faut vraiment que ça file pour avoir des traits impeccables. Oui, c'est vraiment en essayant de le faire soi-même comme ça qu'on se rend compte vraiment de la difficulté et de la qualité des travaux, oui, du travail. Hein. Exactement. Oui. Même si on s'applique, il y a un savoir-faire aussi bien technique qu'artistique qui est exceptionnel. J'ai sans nul doute laissé sur ma route une ample part de travaux pour mes successeurs. Mais j'ai du moins la satisfaction de pouvoir dire que j'ai découvert aux yeux du public savant de l'Europe de vastes régions du continent africain, naguère inconnues.